Yes. On va tourner autour de la pomme. Donc, pour que la pomme reste au centre du bouquet. Donc, on vient, vous pouvez le faire en même temps que moi, hein, si vous voulez. On vient prendre un petit feuillage et on place sa pomme au centre. Vous avez vu, on tient vraiment son bouquet assez haut, hein, pour le départ. Donc, la pomme, il faut qu'on la voit. Hein. C'est pas la pomme au fond, c'est la pomme, elle vient sur le feuillage. Donc, c'est pas la pomme. Donc, le feuillage, il va nous servir de calage. On appelle ça le feuillage de calage. Ça va aller? Donc, voilà, on démarre comme ça. Alors, progressivement, on va mettre le feuillage bien calé comme ça. On va mettre la petite piscine, clématite sauvage, comme ceci. Non, non, mais c'est pour montrer. Je vous la redonne. Voilà. Alors, on pose un petit peu ces éléments. Et puis, à fur et à mesure, on continue donc à mettre son feuillage. Et puis ensuite, on va venir mettre ses fleurs. Alors, j'avais prévu 3 fleurs, 3 roses, 3 margots et 3 germines. Donc c'est pour ça. Le chiffre 3, c'est pas c'est fait exprès en fait. Hein. Parce qu'en fait, avec vos roses là, qu'on va positionner au centre du bouquet, il faut faire un triangle. Est-ce que vous voyez le triangle là? Est-ce que vous voyez le triangle avec les roses? Si on fait un trait de là à là et de là à là, ça fait un triangle. Ça va? Merci. Ouais. Vous allez créer progressivement en bas le faisceau. C'est-à-dire progressivement votre bouquet, les tiges elles vont s'ouvrir. Donc on va créer un faisceau en bas et en haut on va créer le bouquet rond. Donc le bouquet rond qui devra être rond vu de dessus. Je vous ferai un croquis, je vais vous faire un croquis après. Et qui devra être demi-sphérique à la hauteur de votre vue. Ça va faire une demi-sphère. Donc, vous continuez progressivement à mettre votre feuillage et vos fleurs. Voilà. Donc, le feuillage vient caler les fleurs. On rajoute d'autres feuillages. Voilà. D'autres feuillages pour caler les fleurs. Et donc là, entre les fleurs que je vous ai fournies, vous avez également tout ce qui est petit aquilée sauvage. Là, vous allez pouvoir intégrer aussi. Il faut l'intégrer en 3 points, l'aquilée sauvage. Vous allez mettre un point ici. C'est pardon, vous pouvez, faut faire 3 points. Il faut que vous ayez 3 points. Donc vous pouvez dédoubler vos branches. Là c'est pareil, il faut faire un triangle. Hein. Voilà. Et je vais passer, ne vous inquiétez pas. Il faut tourner son bouquet, il faut tourner progressivement pour le bouquet dans sa main. Voilà. Donc le lien ne doit pas faire plus d'un centimètre, un centimètre et demi. Et après. Ah oui, oui, tout à fait. Après, vous allez couper le faisceau après. Donc avec un sécateur, vous coupez le faisceau. Ça fait bien un peu juste, je vois, c'est que ça fait une volée. Allez, donc j'ai pas de volée. Je suis ici, je commence à me...